La deuxième édition du Palmarès des avocats s'est déroulée ce soir au Grand Hôtel et a permis de récompenser plus de 44 cabinets dans 22 catégories. Il y a une forte mobilisation des professionnels puisqu'il y a plus de 250 personnes qui sont là ce soir pour voir les récompenses aux cabinets d'avocats jugés les plus performants dans 22 pratiques. Donc c'est un grand honneur pour le monde du droit d'avoir remis ces récompenses en partenariat avec l'AFJE. Le palmarès est une enquête originale et inédite qui repose exclusivement sur le vote des clients des cabinets d'avocats. C'est en cela que ça se distingue d'autres classements qui existent par ailleurs. Merci encore au monde du droit de nous avoir accueillis ce soir. C'est un très bel événement, l'un des plus beaux de Paris, grâce à vous et grâce à votre publication qui m'a ouvert depuis très longtemps ces pages où j'ai pu publier de nombreux articles comme d'autres confrères. Et ce soir encore, le palmarès du droit a désigné les meilleurs d'entre nous. Bravo à eux et merci encore de votre accueil, Arnaud. C'est une reconnaissance de nos clients, une reconnaissance de nos valeurs d'avocats. Nous essayons de les servir et puis d'innover. Nous sommes dans un environnement économique qui bouge beaucoup et des clients qui sont de plus en plus exigeants. Donc cette reconnaissance-là et puis tous nos confrères qui sont là ce soir, c'est vraiment un plaisir et un remerciement en fait pour une année de travail. Voilà, merci beaucoup et bravo au palmarès des avocats. Merci. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a le double de participants par rapport à l'année dernière. Ce qu'on apprécie particulièrement dans ce palmarès, c'est à la fois l'ambiance et la méthode. L'idée de donner la parole à nos clients quand on est avocat est tout à fait pertinente, appréciable. Et c'est sympathique d'avoir l'occasion d'appréhender leur satisfaction par leur vote et de pouvoir retourner vers eux, d'avoir envie de les servir et en plus de retrouver tous ces confrères sympathiques après dans un cadre agréable. C'est une très belle soirée, donc merci. Il y a aussi une profession, une image d'une profession compétitive, forte, qui se positionne dans un monde, le monde des affaires principalement, mais dans lequel il faut être excellent pour continuer à avancer, progresser.